De sport, messieurs, et on va parler d'un grand retour, on va parler de course à pied. Ça va faire bientôt 2 ans que les semi-marathoniens se sont entraînés, surentraînés et réentraînés, puisque ça fait 2 ans que le fameux semi-marathon de Fabien Camus ne pouvait pas être tenu à cause de la situation sanitaire. Rassembler tout ce monde-là, c'était pas possible, même si c'est en plein air. Ça, on le sait. Tous les ingrédients ont été réunis, Baptiste, pour que cette nouvelle édition soit une très belle réussite. Et c'est un retour plus que gagnant hein, pour ce grand événement, tu l'as dit, avec une très grosse participation, un objectif de participants qui a été explosé et largement atteint. Vraiment un super moment. Il y avait tout, il y avait même un grand soleil, c'était vraiment idéal. Combien de personnes, Bernard? C'est vrai qu'il y avait du monde, hein, plus de 500 personnes, et qui avaient surtout hâte de prendre le départ. On a vu hein, que ça manquait le sport aux 58 mois, enfin aux athlètes qui étaient là, parce qu'il y en a qui viennent de partout, si tu veux, et on a vu de très belles courses. Alors, forcément, c'est des courses qui sont fatigantes, mais l'état d'esprit était présent, parce que vous me disiez en préparant cette émission que même après avoir couru pendant les 10, 5 ou 21,1 km, et ben les coureurs arrivaient avec un grand sourire à l'arrivée. Ah, il y avait des capots qui fumaient hein, pour dire la vérité, mais c'est vrai que ce qui prédominait sur les visages, c'était vraiment le sourire de retrouver la compétition. On rappelle quand même que c'est une course caritative hein, pour l'association Fabien Camus, c'était la 30e édition cette année, donc voilà, c'était vraiment un grand moment et il y en a beaucoup qui attendent déjà la 31e édition. Allez, on va faire un retour ensemble sur cet événement que l'on attendait tous. C'était la 30e édition du semi-marathon Fabien Camus. Regardez de belles images. Ouais. Top départ pour la 30e édition du semi-marathon Fabien Camus. Après 2 ans d'absence, cette course faisait son grand retour dimanche matin sur le boulevard Jean-Bouin. Comme beaucoup de participants, une météo idéale, de quoi rendre heureux Claude Vaillant, l'organisateur de cet événement. Je suis tout à fait très très content que ça reprenne en fin de compte et la 30e, je l'avais un petit peu en travers au mars 2020, parce que 4 jours avant, c'est là qu'on a pris, et 2 jours après qu'on m'a dit non, c'était confinement général. Mais là, le temps est là, les coureurs ont répondu présent. Hein, on s'en sort très bien parce que j'interviens sur des courses à la belle nationale en tant qu'arbitre et les pelotons sont grosso modo divisés par au moins deux. Et là, très bien. On a 560 à peu près inscrits, plus de 320 sur le semi. Très bonne année. Le semi est qualificatif. Donc les gens viennent chercher un chrono pour être en début de saison. Les championnats de France de cross avaient lieu la semaine dernière. Donc eux ont terminé, maintenant c'est la saison route. Et la saison route, on se qualifie tout de suite et après on est tranquille. Donc là c'est très opportun aujourd'hui. Une joie que partage forcément Hervé Camus, le président de l'association Fabien Camus. Très satisfait, beaucoup de monde. 534 concurrents au départ. Et le beau temps et tout va bien. Tout se présente bien. Ça continue. Tout est réuni, c'est vrai, pour faire une bonne journée. On s'attendait à peu près à 300 participants, et comme je disais, il y a plus de 500, donc très heureux. Donc les contraintes sanitaires, on ne savait pas trop vers quoi on pouvait aller. Mais bon, on va essayer de voir ça pour l'année prochaine. C'est Mathieu Michaud, licencié au club de Gauchy, qui va s'imposer sur le semi en 1h13 et 20 secondes, bien encouragé par ses proches. C'est beau, la famille surtout, c'est ça qui est plus important. C'est mon terrain d'entraînement, où j'avais pas le droit à l'erreur, c'est surtout ça. Donc ça aurait été dommage... Un loco qui gagne, c'est toujours plaisir. Moi, je suis 2 à 3 fois par semaine dessus, donc je connais, j'ai encore repéré les lieux, c'était quand mercredi, donc je savais où les trajectoires. J'y vais parti sur une 15, une 14, une 15 avec Simon, et puis on a lancé le rythme, et puis j'ai gardé le rythme, et puis je me suis décroché, quoi. Qualifié. C'est une 20, je suis master, moi, je fais partie des vieux maintenant. Mais bon, même en senior, j'ai jamais fait de chrono comme ça, ouais. Plus je vieillis, plus le chrono il tombe, donc c'est beau, j'y vois. Un retour gagnant pour cette belle course caritative qui soufflait cette année sa 30e bougie. Le rendez-vous est déjà pris l'année prochaine pour la 31e édition. Voilà, une belle course, des gens heureux, des gens qui attendaient cet événement. Et comme l'a dit Claude Vaillant dans le sujet que l'on vient de découvrir,
Le soleil était propice aux bons résultats, Baptiste. Ah, exactement, et belle victoire, hein, on l'a dit dans le sujet, les belles victoires de Mathieu Michaud, c'était un peu le régional de l'étape, qui ne visait pas vraiment la victoire au départ, mais qui a quand même dédié sa victoire à son papa, Eric, décédé il y a 5 ans, et qui l'accompagnait sur chaque course qu'il faisait. Donc forcément, c'est un bel hommage qu'il lui rend avec cette belle victoire au forceps. Et alors, Bertrand, si un jour tu fais 21 km, on t'interviewe aussitôt parce que t'as vu, il venait de faire 21 km, on l'a pris juste après la ligne d'arrivée. Même pas au bout de 100 mètres déjà, je suis plus là. Bernard, il y avait le semi-marathon, 21 km qui comptait pour les championnats de France puisque c'est qualificatif. Voilà. Mais il y avait aussi les 5, les 10 et sur ces parcours-là aussi, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde parce qu'il faut dire aussi c'était une des premières courses de la saison. Comme disait Baptiste tout à l'heure, les gens, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas couru. Donc, ils venaient là un peu pour se tester et pour préparer d'autres semi-marathons ou d'autres courses qu'il va y avoir aux alentours de 50 ans. Ouais, parce que là, ça démarre, c'est ouais, la saison. C'est ça, la saison de cross vient de se terminer, on enchaîne avec la saison sur route. C'est une des premières courses de cette saison à Saint-Quentin. Donc voilà, et puis on a aussi des coureurs qui sont venus un peu se tester en vue de nouvelles compétitions dans quelques semaines. Bernard, le beau temps va donner certainement envie à certains de se dire, ça y est, c'est le printemps, on peut dépoussiérer un peu la machine. Ton invité du jour, qu'on va retrouver dans la troisième partie de l'émission, voilà. Justement... Il prépare aussi quelque chose. Nous ouais. incitera à aller le rejoindre, ouais. puisque c'est le président de la CPI que tu as reçu. On en parle tout à l'heure. Alors, vous êtes aussi allé à la rencontre d'autres coureurs qui, une fois passé la ligne d'arrivée, avaient des choses à vous dire. Et en tout cas, ils étaient heureux de participer. Regardez, on les écoute. Pour le retour de cette course, après 2 ans d'absence, toutes les conditions étaient réunies dimanche matin pour que les coureurs prennent un maximum de plaisir. Aujourd'hui, je suis venu courir pour m'échauffer pour le match de cet après-midi et aussi pour représenter la ville de Saint-Quentin en tant qu'éducateur sportif. Et voilà, il fait beau, on a le soleil, on est en équipe, c'est que du plaisir aujourd'hui. J'ai fait le 5 km, c'est une bonne question combien j'ai fait, c'est Mathilde qui a le chrono, mais je vous dirai ça. Et c'est un plaisir de faire ça tous ensemble. J'ai fait les 10 km de Morcourt la semaine dernière. Aujourd'hui, Fabien Camus, c'est pour la bonne cause en plus. C'est pour la lutte contre la lutte contre la leucémie. C'est aussi tout simplement lever des fonds pour aider les malades. Et cette association qui exerce depuis 30 ans, j'ai toujours été fidèle. Auparavant, il y avait même un tournoi de football auquel je participais. J'ai dû faire une dizaine d'éditions au tournoi de football. Et la course, alors j'ai fait les 10 km. Je suis pas encore prêt pour le semi, mais c'est une belle course. On a du beau monde, il fait beau. Franchement, c'est agréable. Toutes les conditions étaient réunies. On parle du 10 km, la première course de mon épouse, je suis trop content, franchement je suis trop fier d'elle. Et Lance c'est les meilleurs. Lance c'est les meilleurs. Ça fait du bien, il fait beau, il y a du monde, c'est pour la bonne cause. C'est super top. C'est super top. Il m'a forcé. Ah, au moins d'une heure, je suis trop contente. Et alors, on va revenir, je pense. Ouais. Outre le semi-marathon, l'épreuve reine de cette course, il y avait également le 5 et le 10 km. Pour ma part, là, je prépare le 10 km de Valenciennes dans 2 semaines, donc je fais le 5 pour avoir de la vitesse. Donc en vrai, j'ai jamais vraiment préparé de 5, je préfère plus du 10. Après, bon, c'est beaucoup de fractionnés, des sorties longues, et puis un minimum de rigueur quand même, quoi. Et voilà. Une belle victoire. J'ai fait une saison de cross très intensive. On a fait une saison de cross en groupe, et ça paye. J'ai fait Fleurmé la semaine dernière, avec 2 minutes de plus à l'arrivée. Il y avait beaucoup de vent. Mais non, là, j'ai su gérer, c'était parfait. Dans les participants, il y avait également un binôme, Florine Georgel, atteinte de la maladie d'Ulrich, accompagnée de son collègue de travail, Jérôme Leca. Parce qu'il m'a proposé ça il y a une semaine, donc voilà. Et il s'est lancé, il a géré, donc c'est bien. La côte a été dure quand même. C'est elle qu'il faut féliciter, c'est elle qui a envie de faire tout ça. Moi je prête juste mes jambes, c'est facile. C'est une habitude en fait. On pousse, on n'a plus la lettre des bras, mais une fois qu'on a l'habitude, ça roule en fait. Non mais c'est sympa, lui offrir ça, la possibilité de participer à ce genre de course. J'ai fait des courses, c'est encore mieux. En résumé, voilà une belle course caritative où chacun peut trouver sa place. C'est ça aussi, la beauté du sport. Un grand bravo à l'ensemble des participants et particulièrement à Jérôme et à Florine, pour qui c'était leur première participation, en tout cas pour Florine, avec un joli défi relevé comme ça,
par Jérôme, et j'aime beaucoup la phrase. Moi, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est elle. Moi, je ne fais que de prêter mes jambes. Ouais, bravo, et pourtant, il doit forcément décupler des efforts, parce que au-delà de la personne qui est dans le fauteuil, il y a aussi toute l'armature du fauteuil à pousser. Alors déjà, moi, j'ai du mal à courir tout seul. Alors quand tu dois courir en plus avec un fauteuil et une personne dedans, franchement, chapeau. Bravo. Baptiste, aussi, ouais. Bon, je disais, bon, dans les difficultés, il y a aussi faire attention aux autres concurrents. Hein. Ouais, bien sûr. Mais, non, c'est mais... pour ça que si tu le fais avec Blanche l'année prochaine, tu feras attention avec ta chaussette. On regarde le chrono des 5 et 10 km, ça a donné quoi? Alors sur le 10 km, hein, c'est Lilian Cassède hein, qui s'est imposé en 34 minutes 45 secondes. Et sur le 5, c'est Olivier Ferraud qui l'a emporté lui en 16 minutes 08. Bon ben voilà, ça fait quand même des beaux chronos, c'est ça. Des beaux chronos, ça fait des très très beaux chronos. C'est hein. Un très très beau chrono, le 5 en 16 et le 10 en 34. Oui, bravo, et puis... hein. Puis les coureurs sont contents d'être là, mais en plus c'était une reprise. Et puis dans un cadre quand même, quand ils longeaient le long du canal, c'est formidable. Puis toi, tu t'y connais, en vélo. En vélo, oui. T'aurais pu le faire en vélo. Ah oui, on peut pas le faire oui. En vélo. Non. Hein? Non. Non, on aurait pu suivre derrière. On aurait pu suivre, ouais. Bon, vous restez avec moi. On reste avec toi. On se retrouve dans la troisième partie. Pas de problème. Ouais, allez. Ça vous va. Allez, restez avec nous. On se retrouve, allez, dans deux petites minutes. A tout de suite.